projet est porté par OCP. Et l'idée, c'est d'offrir les meilleures conditions à ces jeunes pour qu'ils puissent réussir. C'est vrai, le repas du déjeuner ici, il est gratuit. Il y a un transport qui permet de les acheminer vers eux après ou le matin quand ils veulent venir ici. Et ils ont même des ordinateurs pour qu'ils puissent travailler dans de bonnes conditions. Donc l'idée, c'est vraiment d'offrir à ces jeunes tous les moyens possibles pour qu'ils puissent réussir dans les nouveaux métiers de l'informatique. Ce qu'on demande aux jeunes, c'est juste l'âge, c'est-à-dire est-ce qu'ils ont entre 18 et 35 ans. C'est la seule condition pour qu'ils puissent accéder à cette école. On ne leur demande pas d'où ils viennent, on ne leur demande pas ce qu'ils ont fait avant, enfin on ne cherche pas leur background. L'idée, c'est juste qu'ils passent des tests. Un premier test, c'est un test en ligne. Et par la suite, il y a un test en présentiel pour ceux qui ont réussi le premier test. À la fin, on a commencé à pratiquement avec plus de 3000 personnes qui ont candidaté sur le test en ligne pour à la fin terminer avec 112 apprenants. Je suis Karim Bungara, j'ai 25 ans. Je suis du Sofia. Avant l'UQOD, j'avais mon licence en anglaise linguistique. Et on travaille sur un projet, c'est You Can, vous pouvez, tu peux apprendre tout ce que tu veux dans le domaine numérique. Et on a essayé de proposer des solutions pour faciliter les tâches des administrations locales dans ce domaine et pour améliorer la relation clientèle. Bah ici, c'est une fabrique qui s'appelle UQOD, donc c'est une fabrique qui a été montée, créée par OCP en partenariat avec Simplon. Alors, qu'est-ce qu'apporte Simplon ? Simplon apporte sa connaissance des métiers du numérique, Simplon apporte ses référentiels et ses méthodes pédagogiques qui sont assez originales, qui viennent des États-Unis notamment, et Simplon apporte aussi des choses comme la formation des formateurs. Par exemple, c'est Simplon qui a trouvé et formé les formateurs qui travaillent ici à UQOD. C'est une pédagogie qui est inspirée des bootcamps américains, donc c'est une pédagogie qui n'est pas académique, qui n'est pas traditionnelle. Comme vous l'avez vu aujourd'hui à l'occasion du hackathon, les étudiants travaillent essentiellement en mode projet. Donc les formateurs doivent être bons techniquement, mais ils doivent être aussi bons pédagogiquement pour pouvoir encourager les élèves à la débrouillardise, à travailler en équipe et à monter toute une série de projets qui vont leur permettre d'acquérir progressivement les compétences nécessaires en matière de coding. Je m'appelle Hamza Mdewi, j'ai 22 ans. J'ai donc une heure d'Agadir, mais j'habite à Youssoufia. J'ai un baccalauréat en sciences techniques mécaniques. Je veux un diplôme en brevet technicien supérieur à El Jadida. C'est UQOD parce que je développe les compétences d'aller dans le domaine de développement informatique. UQOD a travaillé bien dans le mesure de développement, j'ai essayé de travailler comme un freelancer dans le design graphique. هذه الفورماسيون تعاوني باش نطور من الترافاي ديالي ونعاود نخدم فيه مزيان. البروجي تيفيزيني لادمينستراسيون تنفاسيليتيو لهم لي طاش ديالهم اون سو دومين انفورماتيك. تنعطيو دي فورماسيون دي سوليسيون.